avoir quatre crétins qui viennent passer l'Halloween dans ton quartier 5 jours avant l'Halloween, ça surprend presque autant que de recevoir une paire de bobettes sales dans le front, voir le derrière de tête à Gab et recevoir des billets pour aller voir un match de la NBA avec sa grande sœur. Ouais, j'ai organisé une surprise à mon frère, je l'amène voir un match de la NBA sans qu'il le sache. Bon vlog! Salut! Hello. C'est juste pour te dire que jeudi à 19h, t'es avec moi. Pourquoi? Parce qu'à 19h, on a quelque chose. C'est quoi? Je te dis pas. Stresse pas là, c'est le fun. Ok. Tu vas m'aimer en calice. Ok. Bye! Mon frère, c'est un grand fan de basket là. Il a joué au basket pis comme, il aime ça là. Il va être content. On y revient plus tard pour la surprise. Là, c'est jour de shoot pour la chaîne de Shaïn. Vous entendez cette question? La question classique. You Big Mitch. Montre-moi ton chandail. C'est quand même cool. Merci. Alex est habillé comme Shaïn. Ou c'est Shaïn qui est habillé comme toi? C'est lui qui les a achetés, fac. Moi qui est habillé comme lui. Mais moi je suis vraiment beau avec. Puis lui? Lui il est juste beau. Mettez-vous à côté les garçons. Regardez-moi, on fait une photo. Ok, c'est bon. Wow. J'ai fait la tâche la plus satisfaisante. Défriper le rideau. Avez-vous remarqué dans la vidéo que le rideau est vraiment pas frippé? C'est moi qui ai fait ça. Ah, puis Big Mitch est finalement arrivé. En veux toi aussi? Ben non, c'est juste que maintenant, comment je fais le rideau qui monte? Non. Ah, t'as quelque chose là? Tout? T'as bavé ou quoi? Oui, j'étais dans une place, je me suis endormi, puis j'ai bavé. Oh, tabarnak, man! Ça va, j'ai même pas de tête. Pas de tête? J'avais pas de chest. Oh, attends, j'ai oublié ça. Allô? Je sais pas, il vit dans quelle dimension pour être ce gars-là. Le gars de Charlevoix débarque au studio ici. Shaïn a expliqué à Lewis comment le tournage allait se dérouler, puis on était prêts à faire notre petite tradition. Okay. Tu peux lire la prière si tu veux, Lewis. On prie pour quoi, en fait? Pour le succès. Pour trouver une femme, oui. Imagine que tu vis toute ta vie avec toi. Puis on prie pour le succès de la vidéo. On veut des millions de likes, man. On veut on veut vraiment que tu trouves une bonne, c'est vraiment ça. C'est juste ça, en fond? On veut tout à country girl. Nice. Fait que, amen. 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 Fait qu'on a aidé Lewis à trouver l'amour. C'était une folle vidéo, pour vrai. Gabi m'a fait à manger ce matin. D'habitude, on a tous les estimateurs depuis que je suis là, ça fait 2 semaines. Oui, parce qu'il paye pas une crise de scène de loyer, ni de Wi-Fi, ni d'électricité, rien. Fait qu'au moins, il est ma bonne. Sauve mes colis du stentier, Gabriel! J'arrive, mon chéri. Merci. Les œufs sont très salés, Gabriel. J'ai besoin d'un verre d'eau tout de suite! Merci pour la gorgée. Ça me fait plaisir. Pour vrai, t'as mis fucking de sel, hein? Non! C'est fucking salé. Pour vrai, c'est fucking salé. Good day. Ah. Mais je reste super reconnaissante. Oh non, ce petit morceau, il est là. Good day. Ça fait ma chérie, Gabriel, il m'a donné une gagnée. T'as des questions, n'hésite pas, je t'assène demain! Ok, tu donnerais-tu une autre petite assiette? Je veux mettre mes toasts dedans. Non! Je m'en calisse dedans. Donc aujourd'hui, on s'en va voir Eric, hairstylist! On s'en va se faire les cheveux, tout. Ça va, ça kiffe! Ta gueule, Cendrillon. Il t'en va torcher. On s'est rendu au salon Blunt où Eric nous attendait à l'extérieur. Ah! Hein? J'aimerais ça avoir ça. Okay. Non. Non, 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 non. Oh, belle. Regarde comment c'est beau. Ce gars du Saguenay, hein? Lui, il voit un pigeon puis il est comme, ah, c'est quoi ça? Vous me connaissez, je fais des TikTok, mais s'il y a bien des TikTok que je fais jamais, c'est des danses ou des lip-sync. Et c'est exactement ce que Eric m'a fait faire pour faire un avant-après de mes cheveux. Non, si tu l'as pas là, c'est une fiasse ou bien quoi? Ok, là on l'a. Merci. J'allais encore le mettre comme une jaquette d'hôpital. Plus de blanc. Mais avec l'hiver, ça va-tu faire trop froid? Non, là? Non. Ouais, plus de blanc. Avec un gros face framing blanc, là. 2 mèches blondes. Là. Sérieux? Nope. Ok. Lui, c'est quand après? Ouais. Ah ouais. Ça, j'ai oublié de vous dire. Les cheveux à Gab, ça ne va pas du tout.
Regardez cette photo, on dirait qu'il y a comme un trou en arrière de la tête, là, ça va pas, là. J'ai donc texté Eric en urgence et j'y ai envoyé cette vidéo. Là, franchement, tourne-toi. Est-ce que tu vois la situation d'urgence? Clique à droite de l'écran si tu vois la situation d'urgence. Ok. Comme tu vois, j'ai comme un petit trou en arrière, là. Je sais pas si tu vois un peu, là. Il exagère. Vrai? Ben oui. Ils sont plus fins, mais t'as pas de trou. Eric a conseillé Gab sur plusieurs produits à acheter. Fait que je lui ai acheté au plus crisp parce que là, ça va pas du tout. Et dans les prochains mois, on devrait voir un changement. Anyways, checkez mes cheveux. Allez vous abonner à Eric sur Instagram, il est vraiment bon. C'est vraiment beau, là. On est back à l'appart. Ernie est là, toujours présent, toujours le cul sale. Ce soir, c'est la soirée que je surprends mon frère avec des billets pour aller voir un match de la NBA au Centre Bell. Il n'y a aucune calice idée de quelle activité qu'on va faire. Genre, il m'a texté, pas un truc de dating. Genre, il pense que j'y prépare une blind date, là. Mon frère est là. Gab! Non, ta gueule, pas toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on s'en va faire? Non, tu me l'as pas dit. T'as aucune idée? Non. Genre zéro, là. Ok, ouf. On s'en va chez Subway! Non, c'est pas vrai. Lire à voix haute. Moi, lire à voix haute. Le match des séries canadiennes de la NBA 2023, présenté par Bell, approche à grands pas. Utilise ce qui se trouve à l'intérieur de ce paquet pour assister au match dans le vrai style Subway. On s'en va à un match de la NBA. Ah, c'est-tu quasiment pris le billet en plus? Ah ouais? T'es-tu content? Mon frère, il est full expressif. Dis ça là, ça veut dire qu'il est fucking content. Ok, faut qu'on parte. Est-ce que t'as mangé? Non. Ok, check ça. Tu peux t'en prendre un. Ouh! Tu pars tout avec les Subway? Ah non, tu vas pouvoir en manger. Bon. Juste une bouchée par contre, parce que... Ah! On s'est rendu au Centre Bell, puis pour se rendre à nos places, ben, on a dû déranger de purs inconnus. Excusez, pardon. Pardon. Moi, j'avais jamais regardé un match de la NBA de ma vie, puis là, j'étais avec deux grands fans de basket dans un vrai match de la NBA. Yeah, boy, we ballin'! Les joueurs de basket sont genre vraiment longs. Hey, lui, il est long, là. Ouais. Pourquoi vous diriez? Non. Oui? Oh, c'est ça! Sur 10, ça fait pas c'est des bonnes places. Hein? Oh. Est-ce que t'avais déjà vu un match de la NBA avant? Je me suis vraiment dit que cette soirée-là était 100% pour mon frère, fait que j'y ai payé la traite. Drink, hot dog, nachos, tout! Surprise de plus, on s'en va sur le terrain prendre des photos. Mon frère a noté la soirée de 10 sur 10, pis ça, est-ce que ça flatte mon ego de grande sœur? Par contre, le lendemain, ça allait mal en crise. J'ai le cul pogné. Je pense que c'est mon asiatique. J'ai mal en sacrement. Je m'en vais chez les gars, et apparemment que Isa peut me débloquer ça. Mais Chahine m'a dit, elle peut me le débloquer, sauf qu'il faut qu'elle touche mes fesses. T'es un panda? Je suis un cutie. Qu'est-ce que j'ai mal au cul. T'es assise sur une chaise, ça, parce que je fais du montage. Tu leur dis pas assez de liker puis s'abonner, c'est ça ton problème? Ouais. Mais faut que tu leur donnes le temps. Moi, je m'abonne pas au monde parce que je pense que je vais manquer un bout dans la vidéo si je m'en vais en bas. Mais si tu leur donnes le temps, t'es comme, abonne-toi. Tu peux descendre. On va rien dire d'important. Il y a eu assez de temps? Je pense. Imagine là, t'es comme à 60 000 abonnés. Isa, c'est quand tu viens de toucher ses fesses? Mais c'est parce que ça va faire mal. Actually, c'est pas drôle. Là. C'est pas genre camera friendly, là. Pourquoi c'est elle avec ses oreilles comme ça qui va? Oh! Non, tu vois, tu te couches. Ah! Ici, genre? Ouais. Pas hey, de... arrête de toucher ses fesses! Ça. Ben, là, je vais toucher à plusieurs endroits. C'est là, ok. Ouais. T'as des ongles! Fresh, t'y donne! On fait juste réchauffer, après ça, on va le. Non! C'est vrai? Oui! Ah, ça fait mal, là! Ouais, oui! Oh. Plus haut, moins haut. Ben, je suis pas là. Oh, attends. À vous, c'est tout pas. Ah! Ah! J'en ai pour une heure. Non. Isabelle. Hein? C'est beau. J'ai l'impression qu'on l'a pas assez travaillé, donc.
Ok. On peut être demain. Merci. Je suis allée dormir et mon matin a commencé encore avec mon coloc qui fait de l'esti de marde. Calice qui est innocent. Yeah. Je voulais genre secouer mon lit, j'avais une paire de boxeurs qui était prise dans mon drap. Fait que là, quand je suis arrivé pour le secouer, ça avait tout. Là, la paire de boxeurs avait. Là, j'étais là. Non, non, non. En plus, il y avait plein de traces de briques, ces yeux-là. Ah ouais, hein? Demande à eux s'ils ont vu tes bobettes. Hey, je suis désolée! J'ai échappé une paire de bobettes. Les avez-vous vu tomber? Hein? Non? Je pense qu'ils ont pas vu. S'ils ont bien vu quelque chose, c'est le trou que t'as en arrière de la tête, par contre. Non, en plus, j'étais de face, ça paraît en crise d'abord. Ouais. POV, le voisin du cinquième étage qui reçoit une paire de bobettes sales dans le front. Ah ben, mes deux tabarnak de zézans. Madame, je suis désolée, c'est parce que je suis en train de laver mon lit. Je pense que c'est un monsieur, Gab. Monsieur! En plus, tu t'es breaké avec papa après, mon homme. Ça, c'est la grosse terrasse de break qu'il y avait là-dedans, ça. Hein? Monsieur, je suis vraiment désolé. En passant vos lunettes, ça fait son esti. Moi, t'en fais, moi, c'est dégueulasse. Quoi qu'on a fait? Le soir même, les gars sont venus chez moi pour qu'on se déguise et qu'on aille passer l'Halloween. Le 26 octobre. Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Big Bitch! Happy Bitch! Happy, happy, happy! Happy, happy, happy! Fait que ça, c'est le beau déguisement avec Mitch. Alex. Moi. C'est un dragon. Rare. Pis y'a Shaïn. C'est fucking laid. Je suis Ali. Ok, on y va là. Ok, déjà... mais c'est moi qui vlog là. Le nom de la chaîne, c'est Dragon ou c'est Ali Brassard? Okay. Ali Big Mitch. Attends, je peux pas faire ta voix. Je suis gay. Ok, j'ai vraiment pas l'air de toi. De la barbe, là. Moi, ma nouvelle barbe et mes amis, on est allés attendre le Uber en bas. On n'y avait pas pensé, mais on n'est pas les seuls à vivre dans cet immeuble-là. Oh. C'est vraiment pas le 31, hein? On n'est pas le 31 octobre pantoute. On n'est pas le 31 octobre pantoute. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On a attendu pour notre Uber à l'extérieur. On a même pris une photo avec un livreur de pizza qui adorait nos costumes. Surtout celui à Shaïn. Ali. Ok, redonne-moi ça, t'es complètement à chier. Bref, notre Uber est finalement arrivé. Joyeux Halloween! Ah ouais, vous êtes un peu en avance. Ouais. Ali, tu peux-tu m'attacher, s'il te plaît? Oui. Vous allez à un party d'Halloween? Non, même pas. Ça va passer l'Halloween. Vous, vous faites quoi pour l'Halloween ce soir? C'est pas à soir? Ouais. Ouais, c'est à soir. C'est quoi, c'est à soir? On va passer l'Halloween à soir. Ouais, mais le gouvernement, ils ont dit qu'il fallait le faire ce mercredi. Ah, ok, je. Pas entendu ça. C'est pareil, il y a une grosse maison dentée là où est-ce qu'on va. Ah, ok. Une maison dentée. Mais il y a beaucoup de monde qui passe l'Halloween aujourd'hui, donc. Ouais, j'en ai pas vu encore. Ben là, on est là. Ouais. C'est-tu parce qu'ils annoncent pas beau le 31? Ouais. 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 Est-ce que vous avez peur des fois ou? Ça arrive. Si mettons quelqu'un veut me tirer pour avoir peur. C'est déjà arrivé? Oh? Non, ça m'est on dirait qu'on est la même personne. Comme pendant n'importe quel ride de char, Big Mitch s'est endormi, puis on l'a réveillé une fois rendu. Big Mitch, regarde. Oh ben merci. Merci beaucoup. Oh, ma queue. Oh, hello. Happy Halloween. How are you, pussy? Okay. Oh my God, ça fait peur. Oh my God, on dirait moi. On commence. C'est pas l'Halloween, mais on essaie vraiment de voir à quel point on peut ramasser des bonbons quand c'est pas l'Halloween. Les maisons qui en donnent, ils les ont déjà. La première maison qu'on est allé, c'est la maison qui a gagné le prix de la meilleure maison hantée au Canada en 2022. Joyeux Halloween! Trick or treat. Oh! 31 octobre. Ouais, c'est ça. Tout ça s'est allumé juste pour une journaliste qui arrive. OK. Fait qu'il n'y a pas de bonbons non plus. C'est demain que je vais aller chercher les bonbons puis les chips. Okay. Je suis désolé. Même si la maison hantée numéro 1 au Canada nous a rien donné, ça nous a pas arrêté d'aller cogner aux autres maisons du voisinage pour avoir des bonbons. Ah, oh, j'ai peur des chiens. Joyeux Halloween! Aujourd'hui? Ouais. C'est pas le 31? Ben oui, mais on a quelque chose le 31, fait qu'on le passe aujourd'hui. J'ai pas de bonbons. Non, non. Désolé. Oh, parce que c'était décoré, on a pris une chance. Avec une deuxième défaite en plein dans la gueule, on a changé de technique un peu.
Joyeux Halloween! Je suis pas prêt encore, moi, là. C'est mardi prochain, je pense. On était occupés mardi prochain. Ok, j'ai pas ça, excusez, là, je suis pas prêt. Nous, on est prêts, en tout cas. Ok. Bye. Mais vous avez pas une barre tente, genre, quelque chose? Ben, un petit peu, là. Okay. J'ai quelque chose. Ok, merci. Trop oh my god, yes! Vous êtes le meilleur à date à fond! Ah ouais, bon, c'est bon! Reste, oh. Allô, petit bouchi! On dirait un mouton! Merci beaucoup! C'est pas là, on a eu des bonbons! Yes! Qu'est-ce que t'en penses, Big Mitch, à date? Oh. Pour la prochaine maison, j'ai demandé à Big Mitch de nous filmer de loin, puis ben, ça donne ceci. Bonjour! On passe l'Halloween? Ok, c'est bon! Même pas des pâtes d'ours? Mais si vous avez des barres tendres au pire. Ah yes! Oh yes! Un autre! Tu filmais quoi? Yes! Un autre! Ça fait deux. Merci trop! Let's go! Merci! Yo, Adam, ça va quand même bien là! Pourquoi t'as pris mes trucs? Hey! Yo! Attends, hey! Je veux voir! C'est quoi? Être sûr que t'as pas des trucs mauvais dans tes trucs? Limite! Yo! Yo, t'as tout volé! Je veux voir! Monde de jambes. Juste voir, check. C'est quoi? Oh, yo, donne-moi-en un, tabarnak. Pourquoi t'en as deux? Dis-moi, je suis un furry. Je sais pas si c'est son personnage ou il est en vrai comme ça, genre. Je pense qu'il est en vrai. Ah ouais, là, c'est décoré, on peut y aller. Joyeux Halloween! Allô? Check or treat. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas le temps? Ben de c'est quoi c'est pas prochaine? Le temps? C'est le temps de l'Halloween? C'est la semaine prochaine! Revenez mardi! Vous supposez arrêter pour moi? Okay, merci! Bye! Bye. Lui, ils sont sortis de l'asile! Ah, oh, Steve, c'est écrit pas de circulaire, pas de colporteur! Pas de quoi? Pas de colporteur! Pas de colporteur! Ça veut dire du monde qui sonne aux portes! Ah bon? Ben nous, c'est pas ça, là! Non. Ils ont peut-être désactivé la sonnette, vu qu'ils veulent vraiment pas de colporteur! Bon! Ok. Bye. Big Mitch, je viens de me demander, est-ce que vous allez faire un vlog pour l'Halloween? C'est pas mal ça, là. Joyeux Halloween! Ok. Allô? Allô? Joyeux Halloween! C'est Halloween aujourd'hui? Ben, ouais. Aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est pas le 31? Ben... Ils ont changé au gouvernement. Ouais. Oh. Non, non. Regarde. Sérieux? Oui, ça. On est déguisés. On n'a rien préparé, nous. Ben, je vais voir en haut si j'ai des bonbons. Si vous n'avez pas de bonbons, n'importe quoi d'autre. Ok. Oh. Trouvez ça. Oh! Yes! Ça, c'est des vrais bonbons. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Hein? Ouais. Je vais enlever ma décoration. Hein? Let's go! Non! Ouais, mais c'est quoi faire? On passe l'Halloween. Vous passez l'Halloween? Ouais. Mais pourquoi vous passez l'Halloween? Pour prendre des bonbons. Ouais, mais non, l'Halloween c'est le 31. Ben, on a quelque chose de nous le 31. Ben, on passe pas l'Halloween avant l'Halloween. C'est illégal. C'est vrai. Ouais. On sait pas l'Halloween pour vrai. Ouais. Joyeux Halloween. Vous êtes pas comme la bonne journée. Mais est-ce que vous avez des bonbons pareils, Jeanne, des fois? On a eu plein. Ouais. C'est ça, TikTok, là? Ouais. Bon. Yes! Ah, ça, on a cherché! Oh my god! Ok, il y en a des vrais. Yes. Merci. 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 Hey, ça marche! Joyeux Halloween! C'est trop vite, comme? Hein? Hein? On est vraiment juste resté dans le silence. Ça, c'est très drôle. Waouh, merci! Merci beaucoup! Ben, ça me fait plaisir! Après cette gentille madame, on est parti dans une rafale d'échecs assez violente. C'est quoi la semaine prochaine? On est équipé. Pas la
m'asseoir. Je suis vraiment désolée, mais je ne l'ai pas encore. Mais il y a des voisins qui ont donné des bartendes pis tout. OK. Ben, je suis désolée, là. J'suis... Une fourchette en plastique, au pire. Happy Halloween! Happy Halloween! Merci. Bonsoir. Ah, vous avez pas... OK. Vous avez pas de bonbons? Vous avez pas de bonbons? Ah, oh, OK. Oh. OK, merci. Bonne journée. Bonne nuit. Hey, il nous aime plus. Yo! Oh! 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 C'est quoi, des push-ups ou tu dings? Il y a combien de pantalons? J'ai essayé de faire un wedgie. J'ai comme trouvé 14 paires de shorts. 1, 2, 3. Prada? Hey, il y a une BM dans l'entrée. Petit pont de pont, donner plein de bonbons. Oh my god, c'est une bonne sonnette. On est juste deux. Joyeux Halloween! Bonjour, on s'est-tu trompé de date? On est occupé le 31, fait qu'on passe aujourd'hui. Ah, les... ok. Ben, allez-vous ça... ramasser bien les affaires? Ben, ça marche quand même. Ouais? Ouais. Hopé. Ah, oh, ben. Oh, yes! Seulement, on aurait dit non, mais là, tu sais, sur film. Merci beaucoup. Voulez-vous abonner à leur page? Oh, merci beaucoup. Non, désolé. Je donne des bonbons. Les gens qui regardent, ils vont liker puis ils vont s'abonner. Fait que c'est correct. C'est quoi ton, ta chaîne? Ali Brassard. Ali Brassard. Je vais peut-être aller checker, tu sais. OK. Mais, ouais. Mais tu t'abonneras pas. Non. Parce que je suis honnête, non. Alors, au moins, la vie, ça compte. Salut. Joyeux Halloween. Yes! Si vous êtes wack, man, vous êtes resté en arrière. Dès que vous avez vu qu'il donnait des bonbons, vous approchez. Vous êtes à chier, man. Tu veux pas tweet? Tu veux pas? Non. Votez, c'est qui avait le meilleur costume pour le fun. Vous êtes mieux de dire que c'est Cheyenne, tabarnak.